Bonjour, Abdali Hachim, directeur commercial de la société Sphinx Électrique, société marocaine qui a aujourd'hui 15 ans d'existence. Nous avons développé nos compétences sur le marché local et nous avons su nous exporter, notamment sur le marché africain, entre autres dans les pays suivants tels que la Mauritanie, l'Algérie, le Mali, le Niger. Nous sommes actuellement présents au salon Préventica pour présenter nos solutions de sécurité dédiées au secteur industriel et au secteur urbain. Nous sommes aujourd'hui présents avec des solutions de caméras thermiques, de caméras de vidéosurveillance dopées d'intelligence. Nous avons aussi présenté des systèmes de communication Wi-Fi et nous avons aussi présenté des systèmes de détection de gaz et extinction de feu. Nous présentons ici au salon Préventica nos solutions d'intégrateurs de systèmes de sécurité. Alors, ces solutions intègrent entre autres des caméras de vidéosurveillance en caisson ATEX, des capteurs de détection de flammes, des capteurs de détection d'étincelles, des systèmes de déclenchement manuel et des systèmes de détection de gaz. Nous présentons également sur notre stand des caméras de vidéosurveillance de type ATEX qui sont dédiées au secteur pétrolier et au secteur chimique. Nous présentons aussi un coffret type switch pour le secteur industriel. Alors, ces coffrets ils permettent le rapatriement des informations de terrain sur des cartes d'entrée-sortie. Et qui sont, ces cartes d'entrée-sortie sont communicantes avec un switch et par la suite l'information est transmise aux salles de contrôle par réseau non filaire. En général c'est du Wi-Fi ou de la radio. Alors ces coffrets switch ils permettent aux industriels d'économiser en termes d'infrastructure. Ces coffrets switch peuvent être implantés à n'importe quel endroit de l'usine en minimisant les travaux qui peuvent gêner la production. Nous avons tenu à présenter une salle de contrôle type dédiée au secteur de l'industrie. Alors, comme déjà expliqué, l'information sur le terrain peut arriver de manière filaire ou par le réseau Wi-Fi. Donc, dans ce cas-là, nous avons un réseau Wi-Fi qui vient récolter toute l'information à travers les switches et le scalens. Cette information, par la suite, est traitée de deux façons. Soit on a des centrales de traitement ou des PLC de type redondant, en fonction du besoin du client et en fonction de la taille de l'installation. Une fois que l'information est traitée, les opérateurs reçoivent toutes les informations des installations sur des écrans de type PC industriel, leur permettant ainsi de suivre en détail ce qui se déroule dans l'installation. Alors, les informations en général sont de type mesure ou aussi ils peuvent être de type vidéo. L'opérateur peut être alerté aussi par une signalisation sonore ou visuelle. Il peut agir au niveau des caméras vidéosurveillance par le joystick et le clavier de contrôle. Et aussi sur la partie process pour agir sur les valeurs de l'installation à travers les consignes. Nos solutions d'extinction incendie que nous développons actuellement sur le marché marocain avec notre partenaire NAFCO. Alors ces solutions d'extinction incendie, elles vont de systèmes simples dédiés aux tableaux d'énergie qui sont composés d'un système qu'on appelle FireTrace, composé d'une bouteille à gaz et d'un système de diffusion au niveau du tableau. Nous commercialisons et développons aussi pour nos clients des solutions plus compliquées, composées de systèmes déluge à eau, déluge à mousse, aussi des systèmes à gaz pour les data centers. La société qui est en charge de cette activité est la société Olympe Industries, société marocaine, qui commence à prendre un ancrage sérieux sur cette activité-là.